Est-ce que vous trouvez ça bien aujourd'hui de se revendiquer, être fier de quelque chose ? Faut être fier de qui on est, ouais. Donc assumer sa sexualité, son identité. C'est à toi de définir comment tu te définis, que ce soit par ta sexualité ou autre chose. Okay, oups, question un peu compliquée, quoi. Moi, je suis très pour démontrer ce qu'on pense, ce qu'on veut. Mais c'est bien sur le principe d'être fier, d'être qui on est. Oui, oui, carrément. Franchement, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu une mode, mais je pense qu'au final, c'est juste les gens qui deviennent qui ils sont vraiment. Je pense que c'est un sujet délicat. Pourquoi ? Parce que, enfin, moi, je trouve... Vous ne tolérez peut-être pas trop ? Non, pas du tout, pas du tout. Justement, le fait que, tant que les gens s'aiment et qu'ils sont heureux, voilà, il n'y a pas de souci maintenant. Peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent choquer les gens. Moi, je trouve qu'ils devraient vraiment être fiers de pouvoir être ce qu'ils veulent être. Ouais. Et je trouve qu'il faut encore plus être fiers, nous, de eux, et de leur montrer tout notre amour et notre soutien qu'on a. Quand vous dites « nous », c'est qui, nous ? Moi et tout le monde, toute la population, je trouve. Et c'est important, en fait, pour vous ? Oui, c'est important parce que quand tu vois ce qu'il a passé à Audenarde, la semaine prochaine, c'est pas bien, hein, pas du tout. Hein. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Ok. Ça, c'est important. Chacun vit sa vie comme il veut. D'accord. Et je suis contre tous ceux qui sont contre les trans, contre les homos, contre... Hyper ouvert d'esprit, quoi. Tout à fait.